Seigneur, bénis cet enseignement. Alors que je vais parler sur les hérésies de nos jours, j'implore ton assistance par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, qui a inspiré les Écritures, qui est le consolateur, le Saint-Esprit qui nous revêt de son onction et qui communique sa puissance, Seigneur, se manifeste maintenant, non seulement sur moi et sur tous tes serviteurs, mais également sur celui qui viendra après moi pour le deuxième exposé, le révérend Sita Luemba. Bénis ta parole, dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Je dis que ça revient à 10 $. Mais la valeur de ces notes, de tout ce qu'on a fait, ne revient pas à 10 $. Parce que d'abord, la farde elle-même a la valeur de 1,775 $. Donc presque 2 $. Et 2 $, ça fait déjà 3 000 francs. Voilà. Alors si vous voulez la voir, il y a quelqu'un qui est dehors avec ça. Si vous avez vos 10 $, on vous donne. Et progressivement, on va inscrire votre nom et progressivement, on va compléter les notes jour après jour. Amen. Voilà, je parle sur les hérésies de nos jours. Hier, j'ai introduit et j'ai terminé le premier point. J'ai divisé mon enseignement en 5 parties. Et dans la première partie, j'ai parlé des concepts, de ces 3 concepts, doctrine, hérésie et secte. Je disais que ces 3 concepts sont une relation étroite. Une doctrine, c'est tout simplement, de manière simple, un enseignement. Un enseignement. Mais c'est aussi l'ensemble de croyances au sujet de Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, de l'homme, du diable, des anges, de l'Église, du salut et autres concepts et vérités bibliques considérées comme autoritaires et dignes de foi par tous les membres de la communauté de foi ou par l'Église. Amen. Et je dis que la doctrine est une grande richesse pour l'Église. Parce que les doctrines chrétiennes ont été formulées progressivement. La doctrine est dans la Bible, mais les vérités dans la Bible sont éparpillées. Et nous avons fait la lecture de quelqu'un, Henri Thiessen, qui a dit que Dieu n'a pas cru bon ou par le Saint-Esprit que les auteurs de la Bible écrivent d'une manière, présentent les doctrines de manière systématique. J'aimerais bien relire ce que Henri Kersen a dit. Il a dit ceci. Je vais lire. La Bible est au théologien ce que la nature est au scientifique. Un ensemble de faits inorganisés ou organisés seulement partiellement. Dieu n'a pas cru bon d'écrire la Bible sous forme d'une théologie systématique. Il nous revient donc de rassembler les faits pour en faire un usage logique. Il y a bien certaines doctrines qui sont traitées de façon assez complète dans un seul contexte. Je peux donner l'exemple, la doctrine sur le Saint-Esprit. Nous avons beaucoup d'éléments sur la doctrine du Saint-Esprit dans Jean 14, 15 et 16. Amen. Amen. Mais il y a des parties de la Bible où on parle de cela. Mais il n'y en a pas une seule qui soit traitée de façon exhaustive. Donc il faut aller dans différents livres de la Bible pour déterminer la doctrine sur, par exemple, le salut, sur Dieu lui-même. Qui est Dieu? Comment la Bible parle de Dieu? Alors il faut parcourir la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. C'est un grand travail. C'est durant le siècle de l'Église. Et l'histoire de la formulation de la doctrine chrétienne est riche et très instructive. Je dirais même émouvante. Parce que c'est progressivement que les principales doctrines chrétiennes que nous confessons aujourd'hui ont été formulées. Dans la plupart des cas, elle a été la réaction et la position de l'Église contre les hérésies. Alléluia. Alléluia. Alors notre assemblée, nous pouvons le considérer aussi comme le concile d'autrefois. Sauf les hérétiques, ils ne vont pas passer à la barre. Parce que au 3e, 4e, 5e, 6e siècle et les siècles qui sont venus après, l'Église réagissait toujours lorsqu'il y avait un enseignement qui n'était pas scripturaire, donc conforme à la Bible. Ceux qui sont passés dans les institutions de théologie, ils connaissent bien Apollinaire, ils connaissent bien Nestorius, ils connaissent bien Eutyches. Les gens se sont cassés les têtes pour arrêter la doctrine sur la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Vous avez connaissez ce qu'on dit de Nestorius, n'est-ce pas? Vous avez pris ceux qui sont passés dans les institutions de théologie, allez revoir votre cours de sotériologie, hein, ou de christologie, particulièrement, sur la personne de Christ. Donc, il y a eu des conciles qui ont traité que des doctrines. Par exemple, la concile de Cassédouane, tenue en 451, où nous avons une grande formulation sur la personne de Jésus-Christ. On a affirmé qu'il est Dieu et qu'il est aussi homme. Amen. Donc c'est progressivement. Voilà pourquoi je parle de la doctrine comme un héritage. Amen. Alors là, c'est important. Pour prêcher la sainte doctrine, il faut être au pied de quelqu'un ou être membre d'une église qui enseigne la vraie doctrine. Je reprends. Pour enseigner la sainte doctrine, il faut être au pied de quelqu'un qui prêche la sainte doctrine ou être dans une église où on prêche la sainte doctrine. Alléluia. Amen. Membre d'une église qui prêche la sainte doctrine. Voilà. Nous continuons notre enseignement. Ça, c'est un rappel de ce que nous avons vu. Notre deuxième point, c'était les types de doctrine. Il y en a deux. La bonne doctrine ou la sainte doctrine et la fausse doctrine. Vous savez, les fausses doctrines, nous avons dit, viennent dans la plupart des cas d'une mauvaise interprétation des passages bibliques. C'est là où nous avons dit qu'on ne peut pas bâtir une doctrine à partir d'un seul verset de la Bible. Alors beaucoup se servent de certains versets juste comme des prétextes. Je vous ai donné l'exemple de cette doctrine qui a fait rage, surtout en Occident, en Amérique et en Europe, et même dans plusieurs pays d'Afrique, le Toronto Blessing, avec l'onction de rire, où les gens rient aux éclats pendant des dizaines de minutes, même des heures. Alors, comme... Pour appuyer cette doctrine, comme dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de passages où on dit que rire, où Dieu a envoyé son esprit, et ils ont commencé à rire, et ils ont trouvé le passage là où Sarah a ri. J'ai discuté avec un pasteur, je dis, prouve-moi le fondement de cette doctrine. Il est allé dans le livre de Genèse, Sarah a ri. Or, le rire de Sarah est un rire d'incrédulité. Parce que quand il a appris qu'il aura un enfant, il a dit, ah, alors, il y a beaucoup aujourd'hui qui se servent des versets de la Bible pour justifier leurs faux enseignements. Nous avons dit que ça vient aussi de nouvelles révélations dites prophétiques, de visions trompeuses et de certaines expériences spirituelles. Attention, on peut faire vivre une expérience spirituelle, nous ne devons pas en faire une doctrine. Lors de la dernière conférence, le pasteur Niamouki nous a donné un exemple intéressant. Il y a eu des voleurs qui sont venus voler à l'église. Je crois que sa voiture était là, on a pris des pièces dans la voiture, batterie, tout. Et le matin, quand il est venu, ils ont constaté que la voiture a été dépiécée. Il a eu une pensée. Ils ont vu les empreintes, les traces des pieds de ces voleurs-là. Il a pris seulement la terre et il a fait une prière. Que ce voleur, on puisse retrouver leurs traces. Et juste le jour suivant, en se promenant vers, pas très loin de l'église aussi, parce que son église est vers Assosa, ils ont trouvé ces pièces-là dans une boutique de pièces de réchange. En suivant la file, ils ont mis la main sur le voleur. Voilà une expérience spirituelle, mais quelqu'un peut faire ça. Une doctrine. Bandeko, Sokibayeko Yibayo, Chaka, Zoka, Kamabelebo, Lukaplason, allez, bon, non. Moi, je dirais une expérience qu'un couple a fait. Moi, je n'étais même pas là. Ils ont dit après. J'étais dans la ville de Kikwit. Pour toujours, voilà, j'ai oublié. Nous avons aussi organisé la conférence, les pasteurs de ces problèmes dans la ville de Kikwit. Et à Boma. Et à Mwanda. Voilà. Et j'étais logé là. J'ai un frère qui était membre ici. Ils ont eu un enfant. Ils ont eu deux enfants. Et puis il y a eu arrêt de conception. J'étais seul. Mais les comités de l'église, les diacres ont fait une surprise sans qu'ils me disent. Ils sont descendus un week-end à Kikwit. Alors j'ai passé la nuit avec mon épouse, je crois, un jour. Et le dimanche, ils sont rentrés parce que moi, je devais continuer. Alors, après mon départ, ce couple a résolu, il a dit, non, nous sommes rentrés ensemble avec eux. Effectivement, un mois après, maman m'a dit, ah, il a eu un salami. Et puis, ils ont un enfant, Alors, si j'étais ce pasteur-là qui fabrique des doctrines, alors tous ceux qui ont des problèmes de conception, invitez-moi et mon épouse pour que nous puissions dormir. Et puis, après notre départ, ne rien enlever. Alors, c'est ça. Nous devons faire attention. Et là, nous pouvons dire l'expérience des gens qui, l'esprit qui sort de leur corps. Il y a une doctrine qui dit que l'esprit peut sortir du corps. Philippe a expérimenté cela. Mais Philippe n'a pas fait de cela une doctrine. C'était une expérience parce que Dieu est capable de tout. Amen. Dieu est capable de tout. Je me rappelle de l'illustration que le pasteur Véron a donnée. d'un missionnaire au Gabon, tout cela. Il priait pour les gens, ils étaient guéris, tout cela. Il était tellement fatigué qu'il ne pourrait pas tenir. Il a cherché un arbre, il a tenu un arbre, et tout ce qui était malade passait sous les aisselles de ces missionnaires-là. Là, c'était une expérience de ce temps-là. En ce moment-là, l'esprit a demandé de faire ça. Fatigué, il a dit, Seigneur, je n'allais pas tenir debout. Il s'est accroché à un arbre. Les gens qui étaient malades passaient et plusieurs étaient guéris. Quelqu'un peut revenir ça de cette doctrine. Hein? Voilà pourquoi nous nous étonnons. Dans la délivrance de certaines personnes, dans certains milieux, on a batondisi babasa minene, naba journaux. Pourquoi ces démons-là qui sortent des gens, les gens vomissent? Attention avec les expériences stéréotypées. Bino ba démon na bino ba magaga soki ba blango sandi sabato. Et surtout lorsqu'il y a des crapauds et des ngolos sortent des corps. Amen. Nous avons parlé de la doctrine d'homme. Dans le groupe de fausses doctrines, la Bible parle de doctrine d'homme, la doctrine des démons, la doctrine de Balaam. Et j'ai attiré votre attention sur le fait qu'il y a la doctrine des démons. Nous n'avons pas assez regardé le diable comme le principal instigateur de fausses doctrines. Le principal instigateur de fausses doctrines. Parce que lorsque les fausses doctrines sont enseignées dans l'Église, le diable s'en réjouit. Parce qu'en fait, son but est de détourner les gens de la vérité. Et celui qui se loigne de la vérité se loigne de Jésus. Et il s'éloigne du salut. Il s'éloigne du salut. Nous connaissons bien ce passage de 1 Timothée chapitre 5, où l'apôtre Paul, je crois chapitre 5, où l'apôtre Paul dit à son fils Timothée que celui qui ne prend pas soin des siens et principalement de sa famille, 1 Timothée. Lisons ce passage, parce que le verdict que l'apôtre Paul dit ici, nous ne devons pas le prendre au sérieux, à la légère. Timothée chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille. Ici, ce n'est pas la famille spirituelle, la famille biologique. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? 1. Il a régné la foi. Et puis 2. Il est pire qu'un infidèle. À cause de la doctrine appelée servitude, beaucoup de gens ne sont plus avec Christ, mais ils se croient chrétiens. Il jeûne. La Bible dit il est pire qu'un infidèle. La doctrine de Balaam. Nous connaissons Balaam. Qui était Balaam? Balaam, c'était ce prophète qui, pour le présent, s'est mis au service du roi de Moab, Barak, pour maudire les enfants d'Israël qui était en train de se déployer sur la terre promise. Balaam est le type de faux prophètes et de serviteurs de Dieu corrompus et cupides, prêts à dire de fausses prophéties pour de présents, pour l'honneur ou pour plaire aux hommes. Dans cette ville, on a organisé une grande réunion prophétique avec des macarons prophétiques. Les gens ont acheté. Là, nous avons là un exemple de doctrine de Balaam. Dans sa seconde épître, l'apôtre Pierre parle de Balaam comme quelqu'un qui a aimé les salaires de l'iniquité, Ils regardent un groupe de faux docteurs comme des personnes qui ont quitté les chemins de la vérité et qui suivent la voie de Balaam. 2 Pierre chapitre 2, 14 à 15. L'apôtre Jude, quant à lui, dénonce la mauvaise conduite de certains hommes dans l'Église et les présente comme des gens qui se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Jude, verset 11. Alors, mais quel conseil ce prophète apostat avait donné au roi Barak? Et ne pouvant maudire les enfants d'Israël parce que Dieu était avec eux, Balaam révéla à Balak l'unique possibilité de parvenir à ce dessein. Il fallait entraîner les enfants d'Israël dans l'immoralité et dans l'idolâtrie. Balak exécuta ce conseil en envoyant les belles filles de Moab séduire les hommes d'Israël. Ils réussirent dans leur mission car les hommes d'Israël se livrèrent à la débauche avec elles. De la débauche, ces hommes furent entraînés dans l'idolâtrie. Nombre, chapitre 25, versets 1 à 3. Mais avant cela, lisons dans Apocalypse. Et je dis que c'est un fait étonnant que le livre d'Apocalypse mentionne Balaam. Apocalypse chapitre 2, verset 14, et parle de la doctrine de Balaam. Mais j'ai quelque chose contre toi. Ce que tu as là de gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient, des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent de viande sacrifiée aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Combien de pasteurs suivent la doctrine de Balaam? Combien de pasteurs font rage parmi les filles, les membres de leur église, mariés ou célibataires, qui couchent avec les fidèles? Ce sont ces pasteurs-là, de la doctrine de Balaam. J'ai reçu dans cette église une jeune fille qui est venue. Elle avait des problèmes avec son fiancé. Son fiancé l'a laissée. Très déçu, il a dit... Je peux trouver réconfort dans une église. Il est allé dans une église à Matete. Un jeune prophète l'a pris comme sa femme. Il couchait avec elle. Et après, il s'est rendu compte, après, il a dit à Robalaya, il s'est rendu compte que Azagina Bambande Bele. Maman Moussa Bala, Timali Bala, Bakabwana. Et dit, oui, Barate Passer, Zagamobal Nanga. Et encore avec une autre fille. Et elle dit non, moi le prophète m'a dit qu'il va me marier. Alors le prophète a envoyé ses collaborateurs et aussi qui font pillage dans l'église pour demander à la fille de se taire. Au cours d'une réunion, le prophète là prophétise que cette jeune fille là qu'il avait prise, il dit que Azana Kindoki. Mais yo, tu as couché plusieurs fois avec une femme qui est sorcière. Et la fille a dit, Souna Azana Kindoki, prenez le bossu dans mon angoté. Vous voyez comment les gens font la honte au corps de Christ. De faux prophètes, de faux pasteurs, de faux docteurs. Après, il est venu ici à l'église. Il est membre de cette église. Alléluia. Je ne sais pas si parmi nous il y a des Balaam ici. Il est intéressant de souligner les trois relations qui existent entre la débauche et l'idolâtrie. Nous avons ici une stratégie de pointe que Satan utilise pour priver les serviteurs de Dieu et les chrétiens de la faveur divine et de sa protection, de sa puissance. Et aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu qui suivent la voie de Balaam, pour de l'argent, pour drainer des foules dans leur temple, ils sont prêts à tout, dire de fausses prophéties, corrompre des gens pour donner des témoignages erronés, des pseudo-miracles et des pseudo-guérisons. Nous connaissons une fille, elle est la nièce à un responsable de l'église. Elle est passée sur une chaîne en déclarant tout ce que Dieu a fait, les miracles que Dieu a fait. Pourtant, la famille connaît cette jeune fille comme quelqu'un qui est vraiment livré au monde. Et quand on lui a demandé, oh, bon, voilà. Moi, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Amen.